Salut, bonjour. On va reprendre l'interview fort longue de 3 heures avec Joseph P. Farrell. Et nous en étions au moment où on lui demandait quel rapport il pouvait faire entre les nazis, la breakaway civilization, la civilisation détachée, les programmes spatiaux secrets, l'Antarctique, et même des nazis sur la Lune. Ce qui va vous permettre de voir la réaction de Joseph lorsqu'on lui propose ça. Un certain sourire dubitatif, pour le moins. Il est très sceptique à ce sujet-là et se basant sur l'histoire justement de la cloche die Glocke. Malgré le fait qu'ils étaient capables d'achever un certain nombre de réalisations technologiques, aucune histoire qui traite de nazis avec des soucoupes volantes et des manipulations de l'espace-temps n'a vraiment de base sérieuse pour lui, qui se base, je le rappelle, essentiellement sur des documents d'époque. Dans son livre Swastika, soucoupes volantes et opérations psychologiques, PsyOps, toutes les histoires à propos de Hanobu, de Vril et de tout ce qu'il appelle des non-sens. Donc en anglais, non-sens, c'est un petit peu dans le sens de élucubration, qui traînent donc dans la communauté ufologique, proviennent en général de cercles très proches néo-nazis d'après-guerre, issus d'Allemagne du Sud, Bavière, voire d'Autriche, c'est-à-dire autour de Munich et de Vienne. Et lorsque vous examinez ces histoires, malgré ces images, il n'y a jamais aucun détail, à la différence des sujets qui traitent de la cloche, des Glocke. Il n'y a pas moyen de retrouver des fondements physiques à la construction de ces engins, contrairement à la cloche. Et donc, si on s'intéresse à Igor Vysotsky et ce qu'il en dit, c'est plein de détails chez lui, tels que la qualité de la substance dont ils se servent pour la cloche. Donc, ce que j'ai dit l'autre jour, pour avoir été appelé du mercure rouge, ou peut-être même, je ne veux pas me tromper, mais l'élément 115, je crois que c'est le UUN 115, découvert par, enfin, analysé, étudié par Bob Lazar, entre autres. Donc, ce n'est pas le bon rapport. Ce n'est pas le bon sujet. Le mercure rouge aurait été un ferrofluide, c'est-à-dire un mélange de mercure et d'un oxyde de fer, ce qui permet d'entraîner des champs magnétiques, ce qui permet d'électriser, de polariser ce liquide. Et une fois donc qu'on l'avait lancé mécaniquement, on le mettait aussi sous tension électrique, ce qui provoquait alors des champs et contre-champs électromagnétiques entre les deux mouvements qui tournent en sens inverse au sein de la cloche. Et a priori, peut-être bien dans certains soucoupes volantes aussi, mais ça c'est moi qui rajoute. On peut se demander aussi, par rapport à la cloche, pourquoi est-ce qu'ils ont construit une usine génératrice électrique au laboratoire sur lequel ils travaillaient pour la cloche? Pourquoi y avait-il ce son bourdonnant? Bourdonnant dans le sens buzzing, hein, comme une ruche d'abeilles. D'ailleurs, les Allemands l'appelaient la ruche. Why that buzzing sound? That sound is very typical of an electric gate being open and shut several times per second as it's pulsing electricity in something. So there's all of these details in the Bell story that allow you to reconstruct a putative, a potential, a possible. Physics and engineering explanation of what they were up to. That's completely missing with all these stories about Hanabu and Vril. All we have with those things are claims of field propulsion, which exceed the actual state of research evidence in the Bell story. So I'm skeptical of all of these claims that. Ah, j'étais en train de bugger. Donc, je ne sais pas à quel point. Donc, comme il n'y a pas d'argument technologique précis pour soutenir
le champ de propulsion qui est revendiqué avoir été utilisé pour les Haunobo et autres soucoupes volantes nazies, ça rend Jean-Pierre Farrel sceptique. Je l'ai appelé Jean-Pierre, je ne suis pas sûr que ce soit Jean-Pierre. JP, on va dire. Question, y a-t-il un rapport entre la cloche nazie et les anciens Vimana d'Inde? Et oui, effectivement, dans les textes védiques, il y a des mentions semblables. Mais intéressons-nous à la théorie alentour et revenons au fait que les anciennes élites avaient besoin de préserver leur savoir en secret, de façon à pouvoir lire ces textes de manière scientifique. Et ils pensent que les nazis ont obtenu leur technologie pour la cloche de l'étude entre savants concernés, des séances de, comment dit-on en français, brainstorming. C'est quand des spécialistes se réunissent et lancent des idées à bâton rompu, comme ça, échafaudant des théories basées sur ce qui leur vient à l'esprit dans un feu d'intelligence commune, vous savez, mise en place. Et donc des brainstorming basés sur la science qu'ils avaient déjà à cette époque-là. On se rappelle, hein, donc, que j'avais cité cette idée d'intranet entre scientifiques nazis qui pouvaient donc discuter entre eux à bâton rompu sans avoir à craindre les respects des lois nazies et tout ça. Enfin, on ne les embêtait pas. On leur donnait carte blanche pour avancer. Donc, sur cette base-là, en regardant ces textes védiques à propos des Vimana, ils ont compris quelque chose. Mais ils n'en ont pas tiré l'inspiration. Ils en ont tiré finalement la confirmation technologique. Ou pas confirmation, mais l'intuition. Donc, l'histoire des vortex à base de mercure, rotatif, ou de ferrofluide, enfin de mercure mélangé avec un oxyde de fer ou un oxyde de mercure, qui aurait rendu ce mercure finalement rouge. Alors, continuons à propos de ces technologies nazies. Est-ce que vous pensez qu'ils ont pensé à passer vers d'autres dimensions, à accéder à d'autres dimensions? Et était-ce une utilisation possible de la cloche nazie? Eh bien, je vais répondre très simplement à cette question en faisant référence à Gabriel Krom. N'oublions pas que Gabriel Krom a fini dans ce pays, les États-Unis, à General Electric, l'entreprise General Electric. Et en tant que chef des recherches ou à la tête des recherches. Et selon qui parle dans son papier, en faisant référence à des calculs de tension, ce sont des sujets qui, par leur nature même, sont traite d'hyperdimension. Donc, il ne peut pas expliquer sa théorie sans prendre en considération d'autres dimensions. Et donc là, je fais référence à un mathématicien allemand très célèbre qui disait quasiment la même chose d'une autre manière, et qui a proposé la première théorie après-guerre de champ unifié, et il s'appelait Tedler Kolutsa, je vais reprendre ça, Theodor Kolutsa, et qui disait que les mathématiques étaient hyperdimensionnelles. Et donc, avec ces activités autour du mercure, des plasmas, possiblement aussi des activités autour du thorium, enfin des activités autour de l'emploi de thorium, T-H-O-R-I-U-M, dans des disques contre-rotatifs, avec des effets de torsion. Tout cela a trait à des notions d'hyperdimension mathématique. Et donc, est-ce que la cloche est un objet hyperdimensionnel? Ben, absolument, dit-il. Et là, écoutez-moi bien, tout circuit électrique, la lumière, la télévision, le frigo, la machine à laver, tout circuit électrique, d'après Krohn, est déjà un système hyperdimensionnel. Tous, quel qu'il soit. Votre brosse à dents électrique aussi. Je rigole. Donc, question suivante. En 1947, donc après la Seconde Guerre mondiale, il s'est passé des choses. Quoi donc? On a l'histoire de Roswell, on a l'histoire de l'amiral Byrd et de l'Antarctique. Et nous avons aussi la création de la NSA en 1947. Pourquoi ont-ils créé cet acte de sécurité nationale? On dirait qu'ils avaient besoin de se protéger. Je vais demander aux auditeurs de me permettre quelques spéculations, dit-il. Je vais leur demander d'accepter, pour le besoin de l'argumentation, parce que je n'ai pas le temps de tout vous détailler, tout ce qui s'est passé autour de Roswell, du Reich, et le fait que cela ne tournait pas autour des ETs, mais plutôt autour des nazis.
Je vais donc vous demander d'accepter que ce qui a crashé à Roswell était le produit de quelques technologies nazies. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Imaginons que l'Air Force américaine, et vous avez eu un certain nombre de crashs dans le désert du Mexique, de choses qui ressemblaient à des trucs nazis. Et ensuite, vous avez ramené là-dessus vos officiers de renseignement, Jesse Marcel, qui bossait à une base aérienne locale. Et en accord là au document du Majestic 12, ils ont rapatrié des scientifiques nazis pour leur faire voir la chose, en leur disant, est-ce que ça vous paraît familier et qu'est-ce que vous faisiez avec ça? Donc il semblerait là qu'effectivement les savants qu'ils ont rapatriés et qu'ils ont amenés sur les lieux du crash, enfin à la base où ils avaient amené les résultats du crash, n'avaient pas l'air trop surpris. Donc on lui fait confiance. Il faut se rappeler que dans ces documents, il y avait des descriptions de mécanique style engrenage, des engrenages dans un vaisseau extraterrestre. Vraiment, êtes-vous sérieux? Qu'est-ce qu'ont bien pu penser les officiers de renseignement de l'Air Force quand 2 ans après la fin de la guerre, des engins d'origine nazie ont pu cracher dans le désert? En quart. Quant à moi, rien de spécial, puisque c'est eux qui les ont rapatriés, les savants nazis. Ils savaient bien que ça continuait, leur petit business. Enfin bon, c'est un encart. Et est-ce que ça les amènerait à couvrir cette histoire? Est-ce que vous tenteriez pas de cacher, de camoufler cette histoire en disant « oui, c'est des balançons de météorologiques, oui, c'est des ovnis ». Absolument, vous tenteriez tout pour éviter que les gens sachent que ça a un rapport avec les nazis. Donc, quand les ufologues argumentent que cet événement avait un rapport avec des ovnis, des extraterrestres, et il y a pourtant un document des renseignements de l'armée de l'air, donc le document rédigé par le brigadier général, ou le général de brigade plutôt, Charles Shogun, document qui existe, et qui existe d'ailleurs bizarrement sous 2 formes, une fausse et une vraie. Toutefois, dans les 2 versions, après toutes les descriptions à propos de ces étranges technologies, nous avons Shogun qui demande où pourraient être les frères Horton, qui étaient donc 2 frères ingénieurs de l'aérospatiale allemande, qui étaient à l'origine de ces ailes volantes géantes dont on a parlé la dernière fois. Et pourquoi est-ce que l'on regarderait, est-ce que l'on rechercherait ces frères Horton si ces débris provenaient de crash de vaisseaux extraterrestres? Pourquoi aurait-on demandé globalement aux scientifiques allemands de l'époque de s'intéresser à un objet qui aurait été de provenance extraterrestre? En quart, ben parce que c'était ce qui était à la pointe de l'aérospatiale. Mais enfin, bon. Opinion personnelle. Suggestion personnelle. Et pourquoi leur montrer, alors que c'est vos anciens ennemis? En quart, ben parce que ce n'était pas les anciens ennemis. Ils les finançaient. Enfin, fin de mon encart. À mon avis, dit-il, l'Air Force n'est pas aussi idiote. Vous leur montreriez ça s'ils pouvaient avoir un rapport avec. Et donc la question devient, mais d'où tout cela peut-il provenir? Pas d'Allemagne, mais peut-être bien d'Argentine ou du Chili. Or, les frères Horton étaient justement en Argentine. Donc à mon avis, l'histoire de Roswell est une de ces situations où on a un mélange des données, et nous allons découvrir que la plupart des technologies qui y sont décrites sont d'origine terrestre. Vous allez remarquer que les descriptions des vols de ces objets sont très loin quand même de tout ce qui permettrait des voyages interplanétaires. En cas, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais bon. Ben, je ne sais pas, si j'arrive avec une Porsche et que je vais chercher du pain, j'arrive à 20 à l'heure et je fais un créneau tout doucement, ça ne veut pas dire que quand j'ai la place sur l'autoroute, je ne peux pas aller à un bon 80. Hein. Bien, on continue. Joseph, nous venons de parler de Chili et d'Argentine. Et on se rapproche de l'Antarctique. Mais bon, on va encore rester un petit peu avec l'Allemagne nazie. Voici la question ultime.
Est-ce qu'Hitler a survécu à la Deuxième Guerre mondiale? Lorsque j'ai commencé ces recherches sur les nazis, nous dit Jean-Pierre Farrell, ou J.P. Farrell, j'étais encore en train de suivre l'histoire officielle, comme quoi il aurait commis un suicide dans son bunker avec Eva Braun. Mais depuis, j'ai considérablement changé d'opinion. Je ne crois plus à l'histoire officielle à propos de la mort d'Hitler, nous dit J.P. Farrell. Il semblerait plus que probable qu'il ait réussi à s'enfuir de Berlin. Et là, il y a plein de scénarios qui peuvent entrer en jeu. Karl Heydrich a sa version, qu'avec quelques rectifications, j'ai fait mienne. Vous avez la version du loup gris, Grey Wolf. Vous avez la version du général Corso, ou Corsi. Peter Levanda a aussi une autre version. Peter Levanda est aussi un chercheur, écrivain. Entre autres, très branché sur l'occulte, me semble-t-il. Et si je ne me trompe pas, il était aussi associé à la TTSA dernièrement. TTSA qui a admis faire des recherches depuis au moins 5 ans et avoir dépensé 20 millions de dollars autour du tic-tac phénomène, c'est-à-dire ces observations d'OVNI, autour des flottilles de la Navy. Et tout le monde est d'accord pour dire que tous ces détails à propos de son suicide proviennent des nazis eux-mêmes. Et le problème, c'est que c'est donc une version qui provient de gens avec lesquels, depuis une douzaine d'années, nous traitions en tant que psychopathes, sociopathes. Et soudain, alors qu'il s'agit de la mort d'Hitler, on commencerait à les croire. Dernièrement, il y avait cette histoire d'examen d'ADN des dents d'Hitler par des scientifiques en Russie, des scientifiques français en Russie, je sais pas, et auraient prouvé que c'était ses dents et que donc il serait vraiment mort dans le bunker. Mais en fait, tout ça ne prouve rien du tout. En cas, oui. là-dedans, là, j'ai dû la garder quelque part. On peut en faire ce qu'on veut, dire que c'était moi. Et du coup, je suis mort. Ou je suis sur la Lune, si on la trouve sur la Lune. Je suis passé sur la Lune. Ça, hein. Qu'est-ce que je faisais sur la Lune? Ouais, je rêve. Bon, fin de l'encart. Donc, il dit effectivement que ça pourrait très bien être ses dents, mais que rien n'empêche les Allemands d'avoir joué avec ses dents et les avoir plantés là où ça les intéressait. Or, il fallait absolument qu'il prouve que Hitler et sa femme étaient morts là, sinon ça changeait toute l'histoire officielle. Et il faudrait réécrire l'histoire, ce qu'il va bien falloir faire un de ces quatre. Hein. Quelles que soient les lois débiles posées à ce propos. Donc, vous nous dites qu'il s'est échappé, qu'a priori, il est descendu en Argentine. Mais donc, comme l'Antarctique est très proche de l'Argentine, est-ce que vous pensez qu'il aurait pu continuer les recherches? Non. Je n'ai jamais adhéré à cette histoire de base de recherche nazie en Antarctique. Pour la simple et bonne raison que si la cloche est le projet essentiel et qu'ils ont dû construire une usine électrique pour l'alimenter, en tout cas pour la tester. Vous imaginez entreprendre et alimenter une telle usine génératrice électrique et laboratoire de recherche en Antarctique? Ils auraient eu besoin de la Royal Navy pour ce faire. Ils auraient eu besoin, sous-entendu, de tout la contingence. Non, c'est pas le mot, la contingence. Je n'ai pas le mot en tête, mais on va dire le soutien. Le soutien logistique, voilà. C'est un peu plus proche. Or, à cette époque-là, ils étaient quand même en temps de guerre. Donc, logistiquement, ils pensent que c'est un non-sens d'imaginer que les nazis avaient fait ça. En cas, il y a quand même les territoires de la Reine Maud, le Neuschwabeland, et ce petit mot, il me semble quand même, de certains amiraux qui, justement, étaient partis en Antarctique et qui avaient envoyé un message à Hitler en lui disant qu'il y avait trouvé un bunker indébunkable. Bon, fin de l'encart. Or, tous les indicateurs par rapport aux recherches nazies après-guerre désignent directement deux pays d'Amérique latine. L'Argentine en premier et le Brésil. En quart. À propos de Brésil, il y a un film qui s'appelle The Boy of Brazil, les garçons du Brésil. Et en fait, ça traite d'expériences de clonage par des savants nazis au Brésil.
Et personnellement, je ne pense pas qu'Hollywood ait la moindre parcelle d'imagination et donc que toutes leurs histoires en fait sont basées sur des faits réels, améliorés, changés, réorientés. Mais l'idée en général provient de faits réels. Chose que de toute façon, quelque part au niveau ésotérique, ils ont besoin de nous déclarer afin par la suite d'avoir une sorte de consentement tacite de notre part ou de toute façon d'être protégés dans leurs actes, pas vraiment au niveau karma, mais bon, politiquement karma, on va dire, puisqu'ils pourront toujours dire « Ah, mais on vous l'avait dit, rien ne nous est caché ». C'est un précepte ésotérique, en fait. On doit être au courant, enfin, la victime de nos mauvaises intentions doit être au courant de nos mauvaises intentions. Maintenant, si elle ne comprend pas, ce n'est pas de notre faute, hein. Donc, il y a moyen toujours de faire passer des images subliminales, des messages subliminaux, des scénarios avoisinants. Et par ce biais-là, à mon avis, complaire à cette règle ésotérique. Enfin, en cas personnel. Donc, il pense qu'il nous faut regarder vers l'Argentine et le Brésil, car ce sont deux pays qui avaient les infrastructures financières, énergétiques, pour pouvoir soutenir un tel projet. Et si vous regardez par rapport à l'Argentine, il est très clair que Juan Perón avait énormément de projets liés à ces nazis. Il nous reparle des frères Horton, d'Emil de Wharton, tous ceux qui construisent ces ailes géantes Delta volantes et donc très en avance. Et lors du crash à Roswell, il était dit que les objets provenaient du sud, la direction du sud. Donc, il faut bien voir que le Nouveau-Mexique est juste à l'aplomb au-dessus de l'Amérique du Sud. Dites-moi, JP, vous avez fait beaucoup de recherches et vous avez écrit énormément à propos d'Amiral Byrd, de l'Antarctique, de Rudolf Hess. Mais que pensiez-vous que signifiait l'Amiral Byrd lorsqu'il disait, en fait, quel était son intérêt pour l'Antarctique? Beaucoup de gens disent que j'ai mal traduit le message de l'amiral Byrd, dit J.P. Farrell, ce qu'il dénie. Je ne l'ai mis que dans le contexte de toute l'expédition. Et pourquoi est-ce que soudainement, en 1946, pourquoi est-ce que les États-Unis décidèrent d'envoyer une flotte entière en bas en Antarctique avec un bataillon de Marines? Et l'histoire qu'ils ont sortie, ils ont pris pour excuse que l'Antarctique allait bien pouvoir être un nouveau terrain de confrontation contre les Russes et de tester des équipements et des tactiques. Ils étaient encore alliés là à l'époque, plus ou moins, non? La guerre froide, elle n'a pas commencé en 1946. Je ne comprends pas. Enfin, je ne comprends pas. On va voir. Or, ils auraient pu faire ça en Alaska, dans le nord du Canada, où vous retrouvez bien les mêmes conditions arctiques, et ça aurait été bien plus facile à entreprendre, bien moins cher, puisqu'ils ont dépensé des milliards de dollars pour créer déjà une liaison par l'Alaska. Alors, pourquoi envoyer une flotte entière et un bataillon de Marines en Antarctique? Donc, pour J.P. Farrell, cette histoire ne tient pas debout. Et il suspecte que la raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est qu'avant la guerre, les nazis avaient entrepris une toute petite expédition par rapport aux standards américains, employé par la suite pour l'opération High Jump, donc les nazis en Antarctique, pour explorer supposément et faire des cartes d'une partie de l'Antarctique qui avait été auparavant réclamée par la Norvège. Or, voici un problème, c'est que l'homme qui a financé, qui a sponsorisé cette expédition, n'est autre que le Reichsmarschall Hermann Göring, et une fois de plus, l'expédition pour le public est que Hermann Göring est en charge des plans de l'Allemagne, et que donc, les plans futurs de l'Allemagne, et que donc ils allaient avoir besoin d'énergie, de ressources en général. Et donc Göring s'en occupait en tant que responsable de l'économie. Or, ça aussi, ça n'a pas beaucoup de sens pour lui, pour J.P. Farrell. Pourquoi est-ce que Göring financerait des projets scientifiques? C'est plutôt le gars qui a créé la Luftwaffe et la Gestapo. Donc, à mon avis, dit-il, ils expliquent ça comme ça, mais il cherche autre chose. Et donc, il suspecte que l'expédition américaine est une réponse à cette expédition allemande. Et une fois de plus, l'amiral Byrd a une connexion directe avec cette expédition allemande, car les nazis l'avaient employé
en Allemagne pour qu'il fasse des conférences sur les conditions de ce genre d'expédition. En cas, ben c'est donc bien une preuve qu'il y avait une certaine relation entre l'amiral Byrd et les nazis, enfin, l'Allemagne et l'Amérique, donc. Et je ne comprends pas pourquoi, là, J.P. Farrell ne continue pas cette autoroute dont je me sers, hein, a priori. Parce que pour moi, oui. Pour moi, là, j'ai fait un bon encart, là. Vous pouvez sortir un petit café, un cup et tout. Pour moi, effectivement, les nazis ont channelé des entités. Ils ont même eu un contact par la suite avec les dites entités, en chair et en os, si on peut dire. Et qu'ils les ont retrouvés en Antarctique, où ces entités avaient déjà une base qui remonte à il y a des millions d'années. Peut-être pas les bases hexagonales dont on a parlé dans les vidéos avec Linda Moultonov, mais ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir eu justement ces cavernes dont on a quelques schémas, des cavernes par lesquelles on accède par des chemins sous-marins qui passent sous les glaces, des chemins dont, comme ils n'avaient pas les radars suffisants pour se déplacer en sécurité, ils avaient par contre un itinéraire chronométré permettant de se déplacer sans trop de danger dans les couloirs noyés d'ailleurs, hein, sous l'eau quoi, qui passaient sous les glaces et qui allaient sous le continent, dans le continent antarctique, hein. Sous l'Antarctique il y a de la terre, hein. Sous le pôle Nord c'est de l'eau. C'est une calotte flottante. Par contre, le pôle sud, c'est un continent, en vrai, en dur. Donc, qui possède des cavernes et des circuits. Je vais m'éloigner du micro, parce que sinon, vous allez croire qu'il y a une tempête, un blizzard antarcticien. Donc, cet itinéraire, c'était du style, vous naviguez 30 secondes à telle vitesse, dans telle direction, puis vous obliquez de tant de degrés en haut, en bas, à gauche, je ne sais pas, hein, ça dépendra le trajet évidemment, pendant tant de temps, puis vous obliquez, puis, vous voyez, ce qui fait que vous pouvez vous déplacer à l'aveuglette. Donc, bon, c'est la fin de mon encart, je n'ai même pas eu le temps de filmer ma club du coup, c'est beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Oui, c'est-à-dire que je n'ai pas élaboré sur la possibilité que ce soit effectivement les entités que soi-disant l'amiral Byrd a rencontrées avec son avion aussi, lorsque soudain il a perdu le contrôle et qu'il s'est fait aspirer dans ce qu'on appelait la terre creuse. Ce qui fait penser à plein de gens, du fait aussi qu'il a dit que si on ne se méfiait pas, si on ne les laissait pas tranquilles, ils allaient avoir affaire à des forces qui pouvaient passer d'un pôle à l'autre en quelques secondes ou en quelques minutes, en quelques secondes. Ce qui fait penser à plein de gens que la Terre est creuse et qu'on peut la traverser comme ça du sud au nord, donc, ou du nord au sud. Non, la Terre creuse peut être comme une éponge, hein. Donc, ça peut être des couloirs. Et de toute façon, a priori, si on se déplace avec Die Glocke, on s'en fout du trajet. On va d'un point à l'autre, hein. C'est comme avec les wormholes, hein, les trous de verre, là. C'est, vous faites votre chemin dans l'espace-temps et non pas dans la matière. Mon avis, hein. Comme ça que je ferais si je pouvais. Ouais. Bon, on va reprendre. Hein. Donc, il nous parle là des relations qu'il pouvait y avoir entre Hermann Göring et l'amiral Byrd. Et donc là, il fait référence à DJ, Dark Journalist, Daniel Litz, qui lui a signalé ce bouquin qui s'appelle... comment s'appelle-t-il ? Sur le sixième niveau, sixième étage, l'homme du sixième étage, et qui est à la page 178, et il lit « Lorsque nous commençons à nous intéresser un peu plus à dit Amiral Byrd, le neveu du fameux Amiral Byrd,
Il y a un détail important qui en sort. Ce n'est pas uniquement le fait qu'il était un ami personnel de Lyndon Johnson, ni le fait qu'il ait fondé une compagnie pétrolière du Texas et une organisation à laquelle Lee Harvey Oswald avait appartenu. Ce qui nous intrigue le plus, c'est que cet élément de la famille Byrd, un millionnaire de Dallas, était aussi le propriétaire de la bibliothèque de là où, soi-disant, Oswald a tiré sur Kennedy. Alors, on se demande vraiment combien est-ce qu'il nous faudra de coïncidences maintenant, messieurs, dames, pour que les gens réalisent donc qu'il y a quelque chose de vraiment gros qui se passe là et qui interconnecte tous, qui pourrait lier l'Antarctique à l'assassinat de Kennedy. En quart, ben écoutez, Kennedy, il a dit plusieurs choses. Hein. Il a repris un peu le discours d'Eisenhower disant que le complexe militaro-industriel allait déborder les libertés civiles, les subjuguer, ce qui est le cas, hein, a priori. Je dis le complexe militaro-industriel, mais on peut dire les complexes militaro-industriels, je suis Baudor. Il n'y a pas que les Américains, à moins que mondialement parlant, Russes, Chinois, Hindous, Européens, Américains soient liés à ce niveau-là. Je ne sais pas s'ils sont liés, à mon avis, ils se connaissent tous. S'il y a tout ce qui existe, là, ce dont je parle existe, ils se connaissent, ils sont peut-être en bisbille les uns contre les autres, et de toute façon, nous, on ne les connaît pas. Hein. Ça, c'est la breakaway civilisation aussi. Et la partie juste qui appartient aux hautes finances, hein. dont parle Ronald Bernard. Bon. Ah, je me suis perdu. Heureusement que je ne suis pas en Antarctique, hein, parce que ce n'est pas l'endroit de se perdre. Oui, donc, Kennedy se proposait, semblerait-il, c'est aussi ce qui a été supputé à propos de Marilyn Monroe, raison pour laquelle on l'a un peu simplifié, elle aussi. Il se proposait de dire la vérité à propos des soucoupes volantes, à propos des ovnis, ou à propos des technologies d'antigravité ou que sais-je. Je ne pensais pas qu'il y avait dans cette partie-là de la déclaration de Kennedy des morceaux qui allaient considérer l'Antarctique. Mais moi, maintenant, je veux bien rajouter ça avec. Oui, effectivement. Je ne vois pas pourquoi J.P. Farrell ne nous met pas ça dans la sauce aussi, puisque ça y est. Bon, on va reprendre. Pour lui, pour J.P. Farrell, l'expédition américaine est un mystère, car l'amiral Byrd est un personnage spécial, car il y a donc une carte de l'Antarctique qui nous montre que les Américains avaient atterri un peu sur tous les côtés du continent et essayaient d'y pénétrer, sauf à l'endroit où les Allemands étaient. To me, it's very obvious that there's something going on here with that German expedition, with the American expedition. But we, to this day, don't know what it is. Est-ce que j'avais pas bugué là? Et donc, je reprends. D'après lui, il y a donc quelque chose entre les expéditions allemandes et américaines en Antarctique qui, jusqu'à ce jour, gardent leur secret. Hein? Secret que j'ai plus ou moins finalement exploré dans tous mes encarts derniers, là, à mon avis. Qu'en pensez-vous? Je sens que je vais avoir des commentaires. Justement, tiens, question. À quoi pensez-vous que faisait référence l'amiral Byrd lorsqu'il disait qu'effectivement, il pouvait être confronté à des vaisseaux qui pouvaient passer d'un pôle à l'autre, à des vitesses spectaculaire. En quoi consistait son avertissement, en fait? Réponse, eh bien, c'est ça le problème. Ils essaient de nous détourner de cette idée en disant que tout le monde a mal traduit. Or, ça a une signification qui est ou non mauvaise traduction. Ils nous donnent un avertissement au pays après cette expédition antarctique qui était censée être partie pour 8 mois et qui est revenue au bout de 8 semaines. En quart, elle est revenue au bout de 8 semaines et il lui manquait des hommes, du matériel, des navires. Enfin bon, ils ont subi des pertes monstrueuses.
De deux, il y a des films russes, alors les gens disent « ouais, c'est les Russes », les autres ils disent « ouais, c'est les néo-nazis ». Il y a des films russes d'expédition avec des bouts de bataille navale où on voit assez nettement des objets volants qui passent en travers de la mâture des croiseurs de la marine, enfin de la mâture... Toutes les suprastructures qu'il y a sur les bateaux, quoi, les antennes, les tourelles et tout ça. Et on voit des tirs, on voit pas bien les objets qui passent parce qu'ils passent effectivement à des vitesses exceptionnelles. Donc c'est un peu flou, ouh, comme ma main là, vous voyez, hein, rapide. Hein. J'ai le vrille, je rigole. Je devrais peut-être pas. C'est pas un sujet drôle. Hein. Bon. Au point où on en est. Bon, donc on reprend. Donc il n'y a pas vraiment d'explication au fait qu'il ait mis fin à cette mission. En car, ben, à part le fait qu'il avait perdu. Il perdait tout, quoi. Les hommes, le matériel. Et ça se produit juste avant Roswell, lui demande-t-on. Donc là, il faut que vous vous rappeliez qui avait participé à la mise en place de cette expédition. L'amiral Chester Nimitz, le secrétaire de la Navy John Forrestal. Forrestal, dont on se rappellera en encart, que lui aussi était très remué par cette expédition et qui commençait à vouloir parler de cette expédition et de ce qu'avait dit l'amiral Byrne. Et que soudain, il a eu fait une dépression, il a été enjoint de rejoindre un hôpital psychiatrique, d'où soudainement, il se serait jeté plus ou moins les mains attachées ou déjà étouffé par la fenêtre du 16e étage. Donc, c'est le genre d'hôpital où on va mettre des gens qui sont dépressifs et qu'on suppute de pouvoir se suicider avec des possibilités de suicide en se jetant d'une fenêtre. Ça ne tient pas debout non plus, hein, pour moi. Donc, il a été simplifié, l'amiral le secrétaire Forrestal. Malgré son haut poste, hein, il a été simplifié. Men in Black. Non, pas in Black, là, Men in CIA. Enfin bon, on continue. Donc, il cite aussi le MJ-12, les proches de Kennedy, et aussi un proche de Joseph McCarthy. Donc, Forrestal était impliqué dans la mise en place d'une expédition pour 8 mois, et l'amiral Byrd y met fin au bout de 8 semaines. Tuxtel a fait une interview avec un reporter chilien, un article qui n'est sorti que dans un journal de Santiago, au Chili. Et si vous lisez l'espagnol, je l'ai inclus dans mon livre Le Reich du Soleil Noir, que donc par chance je peux vous proposer. Bande de petits vénards. J'espère que vous le voyez là. Sur cette page-ci. Et qui est intitulé en fait L'amiral Richard Byrd se réfère à l'importance stratégique des pôles. Mais c'est écrit en espagnol et bon, en anglais, c'est écrit que c'est un article qui cite les remarques de l'amiral Byrd et qui était donc dans El Mercurio. Voilà. Reich of the Black Sun, à la fin duquel, justement, puisqu'on parle souvent de Hanobo, on a quelques images et quelques documents qui traitent de l'Allemagne. Ah, est-ce que vous les voyez? Ah, ça manque de lumière, peut-être. Peut-être que comme ça, ça sera mieux. Non plus. Ah, non, non, non. Le souk. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était justement ces images-là de Hornobo. J'espère que c'est net, je suis pas sûr. Hein. Là, j'y vois 3 fois rien comme image retour.
Donc, c'est les soucoupes volantes dont on parle, les Honobo. Et comme vous pouvez constater, il y en a au moins trois générations là. Hein. Un, deux, trois. Et j'avais aussi vu la médaille des expéditions allemandes de 1938-39. La société allemande de l'Antarctique, avec une médaille. Mais aussi des articles disant qu'il n'y a pas d'ovnis, juste des secrets américains, écrits par Bill Lanes, qui est censé montrer là une partie d'un système de guidage d'une soucoupe volante. Ah, je suppose que vous voyez rien du tout. Bon. Si je savais monter, si j'avais un scanner, je vous ferais des inclusions, mais ce n'est pas le cas. Donc, je suis désolé, je vais vous frustrer de ces documents que vous pouvez trouver hein, dans ce livre. Reich of the Black Sun, écrit par Joseph P. Farrell, F-A-2-R-E-2-L, et sous-titré les Nazi Secret Weapons and the Cold War Allied Legend, donc les armes secrètes nazies et la légende des alliés de la guerre froide. Ah, ça me donne envie de le lire ou de le relire. Bon, on va reprendre. Et donc, dans cet article, là, il dit que, justement, il les prévient qu'ils doivent se préparer à des attaques par des vaisseaux qui peuvent aller d'un pôle à l'autre à des vitesses spectaculaires. Or, l'explication publique est que, alors qu'ils étaient censés tester des tactiques et des équipements dans des conditions antarctiques, arctiques, et les vaisseaux ennemis dont ils parlent auraient été ceux des Russes, des Soviétiques. Or, là, il y a un problème parce que les Soviétiques n'avaient pas à cette époque de vaisseaux aériens capables de voyages atmosphériques, que ce soit du pôle Sud au pôle Nord, et non plus à des vitesses spectaculaires. En quart. Alors là, je suppose qu'il doit se baser aussi sur les travaux de Vysotsky, qui lui, vu son nom, devait avoir accès au cyrillique et aux documents russes, peut-être. Sinon, j'ai jamais vu les Russes ouvrir leurs documents secrets jusqu'à présent, de manière officielle. Juste après la chute du mur, il y a eu quelques trafics de documents, justement, qui ont permis pas mal de théories de voir le jour. Mais moi, je dirais qu'on n'en sait rien. Je dirais qu'on n'en sait rien. Enfin bon, je veux bien le croire. Donc, a priori, il faisait référence à quelque chose d'autre, mais encore, nous ne savons pas quoi. Et nous avons justement ce dernier bataillon nazi. Donc, il reste plein de mystères. Après cette expédition, il a écrit un article. Donc, je parlais de ce bataillon nazi qui était censé avoir géré cette base d'OVNI secrète en Antarctique. Voilà, là, il nous montre l'article. C'est flou. C'est très, très flou. Et il nous dit qu'il va l'inclure dans la vidéo, mais donc je ne l'ai pas encore vu de manière nette. Bon, mais sinon, je le reprendrai en HD, mais bon, ce n'est pas très grave. Je vous en ai en tout cas montré un déjà dans le livre. Donc, pour reprendre face à ce mystère, pourquoi tant d'efforts? Pourquoi monter une expédition de 8 mois qui revient au bout de 8 semaines? L'amiral en revient, il fait cette déclaration, puis il disparaît hors des radars. Bon, en quart, l'amiral Byrd était aussi un franc-maçon d'un haut niveau, en fait. Et on l'a mis en quarantaine, on va dire. On l'a pris entre quatre oreilles et on lui a dit, allez, il va falloir que tu arrêtes tes déclarations. Je ne sais pas si Forrestal avait déjà sauté du 16e étage à l'époque. Enfin, sauté, si on avait déjà poussé. Hein. Il me semble qu'ils l'ont trouvé en bas, étranglé dans son drap ou dans le rideau ou dans je ne sais pas quoi.
A priori, il bataille dans sa chambre, au minimum. Et ils ont peut-être essayé de le suicider d'arrêt cardiaque, et il a dit, ça ne se passera pas comme ça, je vais tâcher de laisser une preuve, comme quoi j'étais pas d'accord pour mourir, on va dire. Et puis finalement, ils ont essayé de faire tourner son assassinat pour un suicide. C'est une hypothèse de ma part, mais ça paraît la plus plausible, en fait. Or, après donc l'expédition, il a écrit un article d'une centaine de pages pour le magazine National Geographic, et Jean-Pierre Farrel, J.P. Farrel, pense qu'une partie de cet article était en fait une couverture, une histoire explicative, enfin une couverture dans le sens de n'importe quoi pour détourner l'attention, de façon à ce que la couverture sur cette histoire puisse continuer. Or, son fils, l'amiral Byrd, a été invité à donner un discours pour un anniversaire de cette expédition et est mort dans des circonstances très particulières, juste avant. Donc, il y aurait aussi le journal de l'amiral Byrd, qui serait resté caché pendant très longtemps et qui serait sorti dernièrement d'un placard ou d'un coffre, d'un grenier, d'un membre de la famille, vous voyez le genre. Et il y a des gens qui disent que c'est un fake, évidemment. Mais c'est dans ses mémoires que l'amiral Byrd relate sa rencontre avec les êtres qui ont détourné son avion lors de son survol du pôle Sud. Des êtres qu'il me semble décrire être deux espèces, des E.T. Hein. Des E.T. Il y a des grands blonds, il me semble aussi qu'il y a d'autres E.T. qui lui disent « Tu es un personnage particulier, nous savons que tu vas comprendre ce que nous allons exiger de toi. Vous pouvez rester ici, mais vous ne retournerez plus jamais chez vous. » En fait, voilà, quoi. C'est plus ou moins les entités que je suspecte d'avoir laissé aux nazis une ou deux de leurs cavernes dans laquelle finalement ils ont installé leur base, ce qui fait qu'ils avaient moins besoin de l'infrastructure et de la logistique de toute une armée pour installer une base et un centre de recherche en Antarctique, puisqu'il y avait déjà quasiment les locaux. Mais là, on parle de cavernes, hein, on ne parle pas des structures hexagonales qui datent de millions d'années. A priori, d'après Linda Moulton-Hove et puis quelques autres suppositions. Bon, on va reprendre. Donc, J.P. Farrell ne croit pas dans les soucoupes volantes nazies. Il croit encore moins que l'amiral Byrd ait trouvé un chemin au centre de la Terre. Rien à voir non plus avec des E.T. Et simplement, il ne sait pas. Il dit « nous ne savons pas ». Et c'est-à-dire qu'on n'a pas les documents, on n'a pas les photos. Et je lui suggère de faire quelques remote views à ce sujet. Un remote view n'amène pas une preuve formelle, mais ça nous donne encore un faisceau de présomption qui tendrait à faire pencher la balance du côté d'un jugement positif ou négatif. Mais là, en l'occurrence, positif, pour affirmer la présence des autres là-bas, au sud, au froid. Pour une fois qu'il fait froid au sud. Ça non plus, ça ne tient pas debout. Je rigole. On reprend. Bien, reprenons à propos de Rudolf Hess. Rudolf Hess était le gardien. Il était le représentant personnel d'Adolf Hitler auprès du parti nazi, après son accession au pouvoir en 1933, ce qui le met à une place incroyablement puissante, parce que Rudolf Hess, quel que soit son look déluré, sans parler de son comportement au tribunal de Nuremberg, il était probablement, avec Hermann Göring, un des chefs nazis les plus intelligents et éduqués, instruits. Il était en charge de toutes les affaires bureaucratiques. Il était en charge de toutes les liaisons entre les nazis, entre le parti nazi et les correspondants au gouvernement. Il était le haut commissaire pour tous les développements technologiques, ce qui, en d'autres mots, signifie qu'il n'y avait pas un projet de l'Allemagne nazie d'aucune nature scientifique que ce soit qui ne soit passé entre ses mains.
y compris donc l'expédition en Antarctique, les projets sur la bombe A, et si vous examinez ce que les Britanniques ont écrit après sa capture, il est clair qu'il y avait une correspondance secrète entre lui et Churchill, qui était en rapport avec la bombe A. C'était donc un personnage crucial au sein de l'ère nazie. Il était si haut placé qu'il faisait partie de ces rares leaders nazis qui connaissaient l'entièreté des plans nazis pour l'invasion de l'Union soviétique. Il y a même des gens qui ont supputé qu'il avait offert ses plans aux forces anglaises en échange de quelques avantages à la fin de la guerre. En d'autres mots, il était excessivement important. Et a priori, il savait tout ce qu'il avait besoin de savoir à propos de ses expéditions antarctiques. Et donc, il fait une référence là au livre de J.P. Farrell qui s'appelle « S et les pingouins ». Rudolf Hess et les pingouins. Question donc, est-ce que les nazis ont infiltré le gouvernement américain à la suite de la Deuxième Guerre mondiale et de l'opération Paperclip? Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a encore des nazis au gouvernement aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que les nazis ont gardé leur intérêt sur l'Antarctique jusqu'à nos jours, du fait du travail pas terminé à cette époque? Supposément pas terminé. Parce que vous avez Buzz Aldrin, avec à cette époque où John Kerry aussi, le patriarche de Moscou, de l'Église orthodoxe, Kirill III. Si vous faites la liste de tout ce qui est relié à cette Antarctique, la liste est aussi longue que bizarre. Hermann Göring, Rudolf Hess, le patriarche de Moscou, le secrétaire américain de la Défense, donc ça c'était John Kerry, Buzz Aldrin, un astronaute Apollo, le roi Juan Carlos Ier d'Espagne. La liste est aussi longue que bizarre. Donc, y a-t-il des nazis au gouvernement actuellement? C'est là que ça devient difficile. Il n'y a aucun doute que la pénétration, à la suite de la guerre, de branches du gouvernement américain par ces nazis est indéniable, au sein de la NASA nazie, au sein du gouvernement, en car au sein de toutes les industries de pointe, Lockheed Martin, AT&T, Boeing, pas Microsoft, mais IBM, une bonne vingtaine, voire 24 ou 25 de ces entreprises haut de gamme qui ont des dossiers secrets, des ateliers secrets, des projets secrets, des fonds secrets, ont recueilli ces savants nazis de l'époque qui avaient le plus haut niveau technologique et qui ont, en fait, dès qu'ils ont pris la tête des recherches, ils ont aussi pris le pouvoir sur ces entreprises. C'est eux qui ont les secrets. C'est eux qui ont les secrets et a priori, ils avaient encore les fonds. Donc, oui. Et là, je fais référence donc à Jim Mars et son livre « La montée du quatrième Reich aux États-Unis ou en Amérique ». Il nous parle aussi des recherches sur les missiles, donc l'Air Force américaine. Il y avait beaucoup de nazis à la base aérienne Gray Patterson qui étaient connectés avec les services de renseignement de l'armée de l'air, qui était tenu par le général Twining, qui était le général américain en charge de l'effort de guerre américain, chargé de récupérer toutes les technologies nazies, qui faisait partie du MG-12, qui était au Nouveau-Mexique pendant l'incident de Roswell, etc., etc. Donc, vous avez tout ça, plus la CIA. Avant la CIA, ça s'appelait l'OSS. L'Office de la stratégique, je ne sais plus. Enfin, très vite, depuis quand les nazis sont arrivés, ça s'est transformé en CIA. Et je crois me rappeler de quelques livres, pas forcément très sérieux, mais qui se basent en général aussi sur des histoires vraies, qui traitaient d'une lutte fratricide, d'une lutte à mort au sein de la CIA entre les anciens de l'OSS et les nouveaux venus. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu les mêmes qui font deux côtés du deep state, de l'état profond et de la lutte qui s'y organise.
Donc, il y en a un des deux qui soutient Trump et puis l'autre qui soutenait Clinton Obama. Hein. Donc, je ne peux pas vous en dire plus là-dessus, sans risquer de dire n'importe quoi. Déjà que je m'avance un petit peu, mais je ne suis pas sûr que ce soit douteux comme avancée. Donc, on reprend avec ses relations avec l'intelligence militaire nazie, le général Gailand. Le général Gailand s'occupait des services de renseignement. Quand je dis intelligence, c'est services de renseignement. Donc, Reinhard Gailand était à la tête des services secrets de l'intelligence militaire sur le front de l'Est pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans une division appelée Foreign Army East, armée étrangère de l'Est. Et à la fin de la guerre, Gailand a pris tous ses dossiers et il a approché, par le biais de du général ou de l'amiral Seybert, les Américains, Seberg. Seberg étant lié à Alan Dulles et le général Dunadan ou Donovan, et Alan Dulles, donc avec lequel il a pris contact en Suisse. Et Gailand a négocié avec les Américains un deal des plus étonnants. Nous mettons entre vos mains toutes nos opérations militaires et de renseignement. On vous les donne parce que nous savons que vous n'avez pas de renseignements souterrains au sein de l'Union soviétique, dans le bloc soviétique. Donc souterrain, ça signifiait des taupes, quoi, des infiltrés. Oui, les taupes, c'est souterrain. Et tout ce que je vous demande, c'est que je reste au contrôle, j'en reste au contrôle, mais vous payez les frais. Et si jamais un quelconque conflit d'intérêts survenait, nous servirions les intérêts allemands en premier. Et on lui a dit oui. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que lorsque la CIA est apparue, et un historien américain, Carl Owen, l'a mis en évidence, Carl Owles. Donc, ça signifiait qu'à ce moment-là, les possibilités américaines aux États-Unis, en Russie, étaient en fait tenues par des agents nazis et étaient en si mauvais état que les analyses de Gailand quant aux capacités soviétiques et à leurs intentions étaient retapées sur du papier en tête de la CIA et amenées à Truman, au président Truman, sans rajout supplémentaire. Donc, en d'autres mots, après la guerre, nous avons des nazis, et notamment un général qui fait des briefings au président Truman, et ce n'est pas tant étrange que diaboliquement intelligent. Et ça peut vous donner une idée d'à quel point précis étaient les renseignements, même s'il s'avère maintenant que ces raisonnements n'étaient pas du tout corrects. Ils étaient en fait destinés à créer des tensions d'après-guerre, ce qui nous ouvre de nouvelles pistes à suivre. Et il faudrait aussi que je parle d'autres connexions intéressantes entre le général Gailand et son organisation de renseignement, son service secret. Or, il est très important que les gens comprennent que le général Gailand et son organisation sont devenus, et de l'influence qu'ils ont eue sur les services allemands d'intelligence d'après-guerre, le Bundesnachrichtendienst, donc BND. Le BND n'étant pas le DVD, qui est encore un autre service secret allemand, encore plus secret et encore plus puissant au niveau de la planète, semblerait-il, notamment d'après Michael Shrimpton. Mais c'est un autre sujet et un autre livre, un pavé encore, de la part de Michael Shrimpton. Donc, ce BND était la version allemande de la CIA et était en fait la continuité des services nazis de renseignement. Et Gailand est devenu le chef des renseignements allemands après la Seconde Guerre mondiale, sous la responsabilité du chancelier Willy Brandt, qui lui aussi est un personnage très important. Il a reçu des primes de la CIA à sa retraite. Quoi qu'il en soit, à Dallas, au Texas, et si vous recherchez à propos de l'assassinat de Kennedy, comme l'a fait Peter Dale Scott, ces pétroliers texans avaient un système de renseignement
premier, enfin, ils avaient des renseignements de première main, et en fait, il s'avère que ces renseignements parvenant aux pétroliers texans provenaient des services du général Gayland, qui donc était à la tête du BND sous l'égide de Willy Brandt, BND qui était donc l'équivalent de la CIA pour l'Allemagne. C'est confus, hein? C'est touffu aussi, hein? Ouais. En d'autres mots, ça signifie que vous avez d'autres liens encore avec l'assassinat de Kennedy, avec ces pétroliers texans, et donc ce service de renseignement allemand qui était nazi, en fait. Donc, pour en finir pour cette session, question finale. Donc, qu'est-ce que vous pensez qu'il y a en Antarctique qui attire tant d'intérêt aujourd'hui encore? Là, c'est pas encore, c'est, on est au milieu, là. Est-ce que ça pourrait être Atlantis? Ah, JP Farrell vient de dire bingo. Y a-t-il un rapport avec les Néphilim? Eh bien, on sait, vous savez jamais. Mais si on regarde l'histoire d'Atlantis, selon le Timas et le Critéas de Platon, d'après lui, c'est donc un continent qui a coulé sous l'eau. C'est bien le seul endroit sur Terre où nous avons un continent sous l'eau, même si elle est gelée. Donc, ce que je suggère être à la source de tout l'intérêt que les gens peuvent avoir pour l'Antarctique en ce moment, c'est qu'ils ont découvert des vestiges d'Atlantis, des restes de cette civilisation, possiblement même des éléments de technologie, peut-être même des écrits, des traces, des records, des écrits. Car vous avez de plus en plus de faits qui abondent dans ce sens-là, et notamment dernièrement le fait qu'ils aient trouvé des hiéroglyphes semblables aux Égyptiens ou Sumériens, ou avec une connexion, pardon, avec les Égyptiens ou les Sumériens, ce qui est épatant. Vous avez cette carte de Piri Reis, cet amiral turc de la fin du Moyen-Âge, qui nous montre le détail de ses côtes dessinées sans les glaces, ce qui pose toujours la question de comment il peut dessiner des côtes qui aujourd'hui sont cachées par les glaces. Et donc, ça dépend un peu comment a été créée cette carte. En quart, cette carte a été issue d'une quarantaine de cartes encore plus vieilles, d'après la légende. Et Piri Reis, en tant qu'amiral turc, a eu accès à toutes les archives de l'ancien empire romain, qui était basé à Constantinople. C'est en tout cas sa suspicion à Jean-Pierre Farrell, à J.P. Farrell, pardon. Et donc, Piri Reis devait utiliser de très très vieilles cartes, dont certaines pouvaient être issues même de la bibliothèque d'Alexandrie. Donc, la possibilité qu'il puisse y avoir des éléments en Antarctique n'est pas à négliger. Et ce ne sont pas des E.T. ou quoi que ce soit dans le genre, dit-il, ni une base secrète d'OVNI nazi. Il y a de grandes chances que ce qui nous intéresse là-bas en bas, ce sont des artefacts d'une ancienne civilisation, ce qui aurait assurément intéressé des gens comme Rudolf Hess ou Hermann Göring et l'amiral Byrd, John Kerry, le patriarche de Moscou, Buzz Aldrin, le roi Juan Carlos. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pensez que c'était aussi la raison pour laquelle les nazis étaient intéressés dans l'Antarctique? C'était dans le cadre de leur recherche de technologie, en cas, je suppose, de la même manière qu'ils se sont tapés le Tibet, qu'ils se sont tapés l'Amérique du Sud, à la recherche de textes anciens, d'écrits mystiques, etc., etc., qui avait quand même servi de base à la société, à la Geheimschaft Society, Gesellschaft, non, c'était quoi, la société de recherche des ancêtres, enfin une collègue à la société Vril. Bah là, de nouveau, j'aime pas trop ces explications-là, dit-il. In reverse, yeah. You know, yeah, it's a reliance. It's a reliance on a theory that. Ah, j'ai bugué. Là non plus, il commence à entrer en désaccord, car ça s'appuierait sur des théories. Mais étant donné l'intérêt des nazis pour les choses ésotériques, à la tête desquelles on pourrait mettre Rudolf Hess, Heinrich Himmler, car en 1940, Himmler a établi un département entier DSS appelé la Anherbdienst, c'est le mot que je cherchais. C'est pas la
La Thule Gesellschaft, c'est pas la société Vril, c'est la Hanerb. C'est donc la société à la recherche du savoir des ancêtres. Petit encart, les ancêtres étant des grands blonds, hein. Les Atlantes étaient déclarés des grands blonds. Bon. Le tout dans le but d'y trouver des applications potentiellement militaires. Et ça, c'était la phrase exacte des nazis. En d'autres mots, ils disaient, on recherche Atlantis et toute trace de technologie qui pourrait nous servir à en faire des armes dans la quête de la domination mondiale. Et sur cette charmante conclusion, on va mettre fin à cette vidéo-ci. Il nous reste encore une bonne vidéo de 40 minutes qui dure des fois une heure, hein, grâce à je ne sais plus qui fait des encarts sans arrêt, là. Hein. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'était très couffu, très tendu, très confus peut-être, parfois même. Mais bon, couche après couche après couche, on finit par y voir plus clair et à faire les correspondances. Je vous souhaite donc un bon courage et je vous dis sûrement à bientôt pour la prochaine. Salut.